انا راهو نعرف اللي مازلت ما وصلتش لمرحله الاكسيليراتور، مازلت نددش ولا انكوباسيون تليق بي. اما نعرف زيدا اللي ما فيها بيس واحد يعرف شنو الموجود اليوم كاوفر كومبليت متاع اكومبانيمون في تونس، ونتصور اللي اختار باش يسمع الحلقه هذه بالذات معناها مهتم ويحب يعرف تو سكي كونسيرن لاكسيليراسيون، باش يعرف وين يفركس وين يبوستولي، وبتاتر زيدا باش يعرف شنو النيفو اللي نجم يوصلو بعد الاكومبانيمون هذا، واذا كان فما اون سويت ولا لا. نتصور كيف سمعتوا بالفلات 6 لاب اللي هو اول اكسيليراتور ريجيونال في المينا ريجن واللي بدا من تونس. يظهر لي ما نلقاوش خير منه باش نسالوا الاسئله اللي يهمونا الكل على البروغرام داكسيليراسيون، مي لا اجا نعملوها على طريقه البودكاست على بزو معناه. ضيفتي في الحلقه هذه فاتن عيسي، ديريكتريس اسوسيي في فلات 6 لاب. عسيمة فيتن. عسيمة مريم. فركست في سور انترنت لقيت فلات 6 لاب، لقيت برشا حاجات دي فلات 6 لابس لابس سامحني برشا دي نعاودو. عسيمة فيتن. عسيمة مريم. فركست سور انترنت شي تومبي سور فلات 6 لابس، لقيت ما شاء الله دي كورت صاروا ديجا ما نتاخش عليه خلطه مخر شويه جو في اسي دو مو راتراپي. دونك شي تري كونتانت لي انتي قبلت باش تجاوب على الاسئله نتاعي، خاطر جو فيان لانسي ما ستارت اب. فرحانه انا اليوم نجم نقول لانسيت ستارت اب نتاعي، مي او فيت فوالا. دونك قاعده نسال في ليكو سيستيم الناس كل تحكي على الانكوباسيون الاكسيليراسيون لي بروغرام داكومبانيمون. جي كومبري كو سيتي اسي امبورطون كو ميم ان واحد فما شكون يتبعو شويه. سألت على الانكوباسيون et اليوم en fait نحب نفهم شنو الاكسيليراسيون، شنو الفرق en fait بين الاكسيليراسيون والانكوباسيون. ديجا au moins الفرق بيناتهم، انت وشنو هي الاكسيليراسيون؟ Très bien. Donc pour commencer, l'incubation et l'accélération, ce sont deux programmes d'accompagnement. Kif kif. Mais il y a une différence fait l'état d'avancement de la start-up. Donc fait l'incubation, femme un accompagnement de la phase d'idée jusqu'à la phase de prototypage. انا عندي فكره، فكره هذيك مازالت ماهيش واضحه بالكدا، وماذا بيا شكون يعمل لي اكومبانيمون باش نوضح فكرتي. باش نولي نطبق الفكره هذيك، معناها كي نبدا نعمل في البروتوتيب سي كو جو سوي سيريوز في الفكره نتاعي وراني نحب نعملها. اوكي، مي هذيا سي لا بارتي انكوباسيون. لا ماجور بارتي دو تون في لا بارتي انكوباسيون لا دوري اي اسي لونغ، دونك ان موين اون بارل دو 6 موا جوسكو l'incubation. En moyenne, on parle de 6 mois. Mais il y a des incubations et les nages sont juste à l'ami. Donc, surtout dans les domaines scientifiques. Donc, c'est détails. Exactement, c'est très, très long. Mais en moyenne, on parle de 6 mois d'incubation. 6 mois où une femme a beaucoup d'accompagnement pour encadrer le fait que l'on l'entrepreneur. Okay. Mais une fois, Anna. Ça y est, فكرتي ولات واضحة. وبديت نعمل في البروتوتيباج نتاعي. Là, je deviens éligible باش ندخل في un programme d'accélération. Donc là, le programme d'accélération, la majeure partie du temps, on n'investit pas dans des idées. On investit dans des projets. OK. Donc, il y a une différence. Oui. Et on a parlé d'investissement. À la خاطر femme, une autre composante aussi qui diffère entre l'accélération et l'incubation, c'est que l'accélération forme une composante investissement. Dima. Okay. Normal accompagnement, mais aussi normal et la femme a un soutien financier ou soutien financier. Et ce n'est pas un don, c'est de l'investissement. On est une nouvelle marque actionnaire, une nouvelle marque de ma marque, parce que justement, un titre qui est dans le projet, qui est dans le projet, qui est dans le projet. C'est un projet viable et un projet rentable. D'accord. Donc voilà, il y a vraiment le hausse à clé, même la différence. Durée à clé, c'est de l'accélération, c'est que c'est de l'accompagnement accéléré. OK. Donc. Par exemple, Arna, dans notre cas, on fait de l'accélération sur 4 mois. Enfin, je connais l'accélération sur 2 mois. Enfin, je connais l'accélération axel choya. Donc, c'est une formule et l'école, la structure, la formule, on va dire, entre guillemets, magique, qui fait que le programme MT Highwell est efficace à partir d'une certaine durée. Mais en tant que seul, مثلاً, de quel est le produit MTI plus ou moins, enfin le fait que MTI ou le prototype, ou quoi,
نجم جو نتعدى فاز الانكوباسيون ما نعملهاش ونمشي طول اكسيليراسيون سي بوسيبل نجم معناها راهو ماش حاجه مربوطه ببعض ابسولومون با راهي الانكوباسيون ني با كلكو شوز دو نيسيسير باش انت تو بو افوار اكسي ا لاكسيليراسيون. Donc, c'est en fait les critères d'éligibilité, on va dire, c'est Hanikotlak. Ça dépend du secteur d'activité. Mathalan, Ahna, dans notre cas, l'accélérateur, Mterna, les critères de sélection, c'est la composante technologique, c'est un minimum d'avoir un prototype, c'est qu'il y ait un potentiel de scalabilité, ou ils, c'est d'avoir une équipe derrière le projet. On est une seule personne à Kahao. Mais des bines, on évite. On a aussi eu des cas, des startups qui ont un seul fondateur, des cofondateurs et des équipes. Mais voilà. Mais ce n'est pas une obligation un programme d'incubation pour avoir accès à un programme d'accélération. En fait, on peut dire que les émis d'accélération. Ou elle a bien les émis. C'est une très bonne question. Je pense que c'est assez, d'une façon générale, c'est assez subjectif. On voit beaucoup d'entrepreneurs et les collègues, ils ne la hachent, ils ne pas incubation, ils la hachent accélération. Donc quand même, le voir, Mais on peut se rendre compte aussi que ces entrepreneurs-là n'avancent pas aussi rapidement que les entrepreneurs qui sont accompagnés. Donc par rapport à la phase de waqtach nhass rouhi hachti b'accélération, je pense que waqtli tkber barcha lfikra tahass rouhak belhaq ta ma3ha kaha amalt bootstrapping amalt waqtli el block chwaya ça dépend qu'est-ce que tu définis par block ch ma3ha el block chwaya ma mach qala tkber kima enti tahbha tkber ma tlaqa rouhak ya el vitesse tayha barcha ya belaks ya ma ta3hach kifach bach tqaddem en fait howa ya une chose c'est que la vitesse de croisière, بالعكس, يقوى عليك الريتم. تحس روحك ما عادش خالط معناها pour gérer. Et du coup, donc, la خلطي لي. Allez, au contraire, on espère اللي واحد وقت اللي يقوى الريتم يكمل يجري معاه. Et donc, وقت اللي انت تجري مع الريتم هذاك ماذا بيك شكون يهز معاك الحمل شويه. C'est ça. ماذا بيك ترخ معناتها ما عندكش شكون يدز معاك. C'est dans ce sens. ماذا بيك اللي شكون زاد يوجهك يقول لك انت مثلا انت ماشي نور يقول لك لا راك يلزمك تمشي است مش نور. ماذا بيك زاد شكون يبدا معاك باش pour t'introduire un réseau اللي ينجم يعاونك في برشا حاجات باش تقدم في البروجي نتاعك. Il peut t'introduire à des marchés, il peut être انت Il y a beaucoup de réajustement de l'idée elle-même, du business model, du fonctionnement, de la stratégie, de la hiérarchie, même de la start-up quand tu es accompagné. Là où je trouve, il y a accélérateur, il y a une équipe dédiée, fait l'accélérateur, qui fait l'accompagnement des entrepreneurs, mais c'est aussi des experts. On fait appel aussi à des experts qui accompagnent les start-up. Ah non, on n'est pas expert fait tout ça. Donc au besoin, voilà. Selon le besoin spécifique de. Absolument. Mais donc justement, c'est ma question. Bad, maintenant, traite l'accélérateur qui m'a contenté au fait. Peut-être quand on coule hashtib flou, c'est un machine, une levée de fonds. Mais dès qu'un hashtib en même temps accompagnement, c'est là où je m'adresse à un accélérateur. Hashtib flou, hashtib accompagnement. Je ne m'en hajet les voilà. Traite moi les hommes. Vous les accompagnez en quoi? Bilharkit. Ah, le business model, peut-être revoir un petit peu ajustement. Les experts, c'est des experts en quoi? Ils accompagnent en quoi? Je n'en ai pas. Je n'ai pas vraiment en détail comment ça marche. En tout cas, on a fait FlatExabs. Après, dans d'autres structures, dans d'autres accélérateurs, ça diffère exactement. Ça dépend de l'objectif et du mandat de l'accélérateur. Donc, on a, sur 4 mois, les 4 mois, et donc un prasmi. Le premier mois, nous avons le produit. Nous avons le produit de la start-up. Nous avons le côté technique. Nous avons le côté fonctionnel. La fonctionnalité de le produit. Nous avons le potentiel même de ce produit. Est-ce qu'il faut continuer dans cette direction-là ou est-ce qu'on réajuste le tir? Et d'où nous avons le business model. بعد ما نحكيوا على لو برودوي نتعديوا للمارشي دونك انا عندي ان برودوي دونك شو نشوف است كو لو مارشي هذا اي لي بري ا اكسبتي مون برودوي ولا اي لي با اي لي با بري
Donc, il y a qui font cool, il est prêt à accepter le prix. Alors, je peux créer un produit extraordinaire. Donc, donc là, fait l'accélération. La start-up n'a pas encore lancé son produit. Elle est obligée de lancer son produit pour avoir un retour réel du marché pour réajuster le tir. Mais avec elle, déjà, on lance le produit. Elle a le potentiel d'expansion du marché. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un film marlub? Est-ce qu'il y a un film France? Est-ce qu'il y a un film Masser? Donc, on essaie d'élargir le spectre d'activité de la start-up ou du produit. Mais une fois maintenant, le produit, maintenant, le marché, on a eu un retour du marché. Donc, il faut commercialiser. Il faut que tu aies non seulement il faut que mais on commence aussi à travailler sur les levées de fonds. En tout cas, pour nous, l'objectif interne, c'est l'accélération. Première chose, c'est il faut sortir avec un produit commercialisable. Et tu n'as pas encore un produit commercialisable. Il faut que tu génères du revenu durant l'accélération. Il faut que tu sois investment ready. Il faut que tu sois prêt à l'investissement. D'accord, qui font cool et après à l'investissement, tu maîtrises tout ce qu'il faut, toute la paperasse entre guillemets, l'isme, je suis avec une femme, un autre investisseur, je suis trop le marre. Exactement. Comment tu négocies, comment tu parles à un investisseur, qui fait chez moi, tu as le homework, tu as le matin qui est un investisseur. معناها راهو شوف كيما ريت احنا عندنا داتا روم هذه تعلمت تعلمت نعرف مش كنت تعلمتها وي ان كلكو سورت وي معناها يفو فير توت ان ترافاي بور فير اون ليفي دو فون معناها بارفو اون فوا دي ستارت اب ما نحكيش راني كاين في تونس معناها حتى ايور يقول لك بتات لا ليفي سي بوكو دو ترافاي سي بوكو دو ترافاي احكي لي اكسبير على 8 او 10 ساعات مينيموم اقل حاجه معناها اون بارل ميم دو 12 mois بارفو دو 18 mois دونك c'est beaucoup de travail pour faire la levée de fonds. Bref, ma chose que j'aime pour dire, c'est rit ahna مثلاً عنا une base de données de start-up. Raho start-up, c'est ma tarmel une base de données d'investisseurs. Raho ça n'a aucun sens انك انت تبعث un cold mailing لان investisseur اللي هو il investit des tickets de 100 000 $ ou qu'il investit كان في l'agritech. When this startup a rajouté 1 million $ et tu opères dans l'intelligence artificielle, D'accord. Donc, il faut un minimum de homework, de préparation. Donc, fait troisième mois, on parle beaucoup sur le fundraising. Fait quatrième mois, on a beaucoup de préparation sur le pitch, sur le public speaking, sur comment présenter sa startup et comment avoir un pitch deck évolutif. Alors, le pitch deck, c'est un outil. Alors, figé. Bien sûr. À part, c'est ton premier contact avec l'investisseur. Donc, il faut prendre la chose très au sérieux. Et là, je ne sais pas si l'investisseur est l'agritech. Je ne sais pas si pitch deck pour essayer d'avoir une opportunité d'investissement. Je ne sais pas si l'investisseur qui opère, donc qui est secteur agnostic. Il investit dans tous les secteurs d'activité. Il peut être aidé à des chances. Mariam, qui est un investisseur tunisien, elle n'a pas les mêmes attentes qu'un investisseur étranger. Ou l'étranger, c'est segmenté. Les Européens, les Américains, le Middle East, ce n'est pas les mêmes attentes. Donc les pitch deck donc tu vois ce que je veux dire, vraiment c'est une préparation. Donc on t'apprendra pour toutes les éventualités en absolument fait, donc bon, vu les Ahna, on opère surtout sur la région MENA, donc on sait comment faire sur la région MENA. Ça n'empêche, il y a aussi d'autres investisseurs qui ne sont pas basés sur la région MENA qui sont intéressés par des startups tunisiennes, entre autres des investisseurs africains. En tout cas, très intéressant en fait les trolls-filles, ou surtout ça donne envie d'essayer. Je vais dire que un de ces programmes. La chose l'autre qui est en train de l'accélérateur, il accompagne, mais il investit aussi. Mais oui, je me pose la question, est-ce que vous avez une chose fixe? Ça se passe comment? C'est en pourcentage? Quelles sont les attentes? Voilà, je vais dire que vous avez une absolument. Donc, un investisseur, l'accélérateur, d'une façon générale, un investisseur, mais il y a un dent.
c'est un business, c'est un investissement. Et dès qu'il y a une abstraction flow, c'est là que j'ai une attente. J'ai une attente de retour sur investissement. Donc, il faut se mettre aussi à la place de l'investisseur. Et dès qu'il y a une abstraction flow, c'est là où, à moins que ça soit un don, donc là, on parle de choses complètement différentes, mais un investissement, c'est du business. Un pourcentage réglementé, je ne sais pas. Ça dépend. Oui. Donc, dans notre cas, c'est clair. C'est entre 10 à 15% du capital de la start-up. On devient actionnaire à hauteur de 10 à 15%. Donc, c'est une négociation, bien sûr, entre la start-up et l'accélérateur. Mais après, je me suis dit que on a des accélérateurs, ça dépend de la politique de la maison. Mais je n'ai pas figé. Mais il faut savoir, quand on reçoit de l'investissement, on va donner en retour des actions. Mais, c'est le silence. C'est la vie que je t'aime. Hey, donc, je n'ai voilà, Kamal. Donc, en fait, après l'investissement, allez, je voilà, tu as l'accélération. Tu as l'accélérateur. Il faut savoir quelque chose. Un programme d'accélération. Pourquoi c'est corrélé? Le programme d'accélération diminue du risque d'échec de la start-up. Logique. On a fait un hot flux sur Mariam. Mais bien, Mariam, c'est à toi. Bien sûr, il y a une deuxième avec Mariam. بيش مريم تكبر في البروجي نتاعها كانت اليوم الجينير 10000 دينار بار ان نحب مريم تولي الجينير 1 مليون دو دينار بار ان مش 10000 علاش ديما قلت لك راهو فما على خاطر اون اتونت على خاطر سي دو بيزنس انا اليوم عطيت لمريم جو دي نابورت كوا 1 مليون دو دينار اون كونت ولا 10000 اون كونتربارتي دو 10% كيف تولي مريم الجينير 1 مليون دو دينار دونك les actions ta Mariam chitlo donc il mérite la 10000 fidika 10% et donc comme 10000 tu ali oui sur ma علاش قد ايش انا مانيش بيا في الحساب donc tu ali oui il y a suivi barcha flous فهمت donc l'augmente sera tant il valorisation tech puis tout là donc c'est ça la relation c'est que si j'investis en toi j'essaie de te soutenir au maximum pour que tu puisses avancer pour que tu puisses élargir l'activité tech et pour que tu puisses surtout attirer d'autres investisseurs. Tout compte fait, mon objectif, c'est de faire un exit. Et quand je fais un exit, tu as le retour sur investissement rêvé comme tu es garanti. Ouais. Donc, c'est ça la relation. C'est justement, en fait, qui fait entre 10 et 15%. Mais le montant, les tata voilà, qui investit, il dépend de quoi finalement? Moi, les startups, c'est le même montant. Si. Okay. Donc en fait, Fama, en tout cas dans notre cas, Fama a trois tickets. Fama, le premier ticket, c'est un ticket automatique. Ayuihed, qui est sélectionné pour faire partie de notre portefeuille, a accès à 200 000 dinars d'investissement. Okay. L'investissement Hedeka, il se compose de deux choses. Un investissement, femme a un côté financier, une partie de l'investissement avec en cash, ou femme a une partie de l'investissement sous forme de services. On a les services, on a les coachs, on a l'espace, on a l'équipe, on a tout le programme d'accompagnement, c'est un service. Femme a un deuxième ticket. Donc le ticket, il est entre 250 000 jusqu'à 500 000 dinars. D'accord ? C'est un ticket, il est avec, donc, le premier ticket est à 200 000 et je suis le premier investisseur. J'ai pris le risque. Je suis le potentiel. Je suis le potentiel. Le deuxième ticket, je suis le potentiel. Donc, on essaie de soutenir Zeda de notre côté, la start-up, pour avoir un autre investisseur pour qu'on puisse réinvestir dans cette start-up-là. D'accord? Troisième ticket que nous avons, c'est un ticket qui s'appelle direct investment. Donc on dit les deux premiers tickets les startups flat six labs. Le troisième ticket, il est ouvert à toute startup dans l'écosystème. Je vois du potentiel, on investit avec lui. Mais c'est un ticket qui est assez conditionné à la khatar, c'est un gros montant. On peut aller jusqu'à 1 million de dinars.
Donc, si tu es encore dans une phase de prototype, tu ne vas pas avoir mis un million de dinars. Donc, il faut que tu sois une start-up mature, avancée. Il y a un track record. Il y a peut-être aussi, tu as déjà fait une levée de fonds. Il y a une expansion, un potentiel d'expansion que Bilbao a. Et là, justement, tu vas utiliser l'investissement pour faire une expansion internationale. Ouais, enfin, ouais. Donc, voilà. Mais il y a des choses qui sont non, pas du tout. On fonctionne comme ça. D'ailleurs, on va changer notre fonctionnement avec le lancement de notre nouveau fonds d'investissement. Enfin, il y a d'autres fonds qui ne fonctionnent pas comme ça. Enfin, il y a d'autres fonds. Il y a un random qui est un service à Kahao. Enfin, il y a d'autres fonds. Il y a un cash à Kahao. Il y a des flous sur le Dabarask. Donc, il y a des tickets d'investissement qui sont différents. Enfin, il y a le pourcentage qui est un peu plus. Donc, voilà. Mais le concept en général, c'est ça. C'est que c'est un programme d'accélération avec de l'investissement. Femme equity, c'est ça. Une partie des actions, c'est ça. Equity, donc investment qui est basé sur l'equity. Après, femme un accompagnement, la majeure partie du temps en tout cas, pour justement soutenir la start-up. D'accord. Ça m'a l'air assez complet. Donc, femme un autre accompagnement, une NGMJ, bah, d'accélération, femme d'autres structures, incubation, l'incubation, oui. Accélération. Femme à ce qu'on appelle les scale-up ou les growth. Femme à des structures qui sont in-house. Les startups qui sortent de l'accélérateur ne sont pas livrées à elles-mêmes. Nous avons fait l'accompagnement et on a même créé un track pour les startups alumni dans lesquelles on a déjà investi. Le track idea, c'est trolli. Je suis à la carte. Je suis à la carte. Je suis à la carte. باش نكبر في ليفونت نتاعي باش نعلي في ليفونت نتاعي دونك جي بيزوان دافوار اكسي ان اكسبير ان سيلز ان فونت دونك اون رامين ان اكسبير ان فونت وتقعد تعمل معاه في كوتشينغ جوسك اسكو تو بيس هذا المشكل هذاك اكزاكتومون Il se peut que ça ne soit pas le cas pour d'autres structures, mais en tout cas, nous, on fait l'accompagnement post-accélération. Surtout pour les startups prometteuses, on voit beaucoup de potentiel. Voilà, donc, mais sinon, en bas de l'accélération, oui, les femmes ont des structures qui accompagnent les startups dans leur expansion. Donc voilà, pour aller plus haut, pour faire des levées plus importantes, pour faire des expansions internationales, pour pénétrer d'autres marchés. Donc oui, moi, je vous dis, c'est possible. Ouais. Merci beaucoup, Faitan. Je vais finir la salle à col. Bon, on va te dire à ta souhait. Merci, Aïcha. Bon courage, Marie. Yes, thank you. Femme, tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Ou alors, je connais un petit accompagnement ici, ou je n'ai pas les critères de sélection. Fais chine, je m'y fie, comme ou bêche, je m'y tourne. Et nous, on est dans les blitz, le col, le mandou, on a toutes les cartes en main. Bêche, le wahed, yarf, yartar, thné, l'ilizmetou. Incubation, accélération. ولا شوية فلوس وحتى نوع متاع accompagnement. القرار الاخريني عند l'entrepreneur finalement. Surtout كيف يبدأ عنده المعلومات الكل يكون هو أدرى مصلحته. أما سؤال آخر يتطرحوني ونتصور كنت اسمعوا فيا من مدن أخرى باغ العاصمة عادي إنكم باش تقولوا لي أي وين موجودين هالي ستركتور في الجمهورية التونسية. تحبوا تعرفوا كل شيء على الكارتوغرافي ناسيونال لسي ستركتور؟ اسمعوني في الحلقة الجاية.